Bonjour Lionel Garot. Bonjour Jean-Philippe Denis. Lionel Garot, vous êtes maître de conférence à l'Université Paris-Dauphine, sciences de gestion et du management, habilité à diriger les recherches. Euh, article publié dans Scandinavian Journal of Management, félicitations, Merci avec beaucoup. Nicolas Rossignol, qui est un de vos anciens doctorants, euh, consacré à une approche systémique du business model. Alors j'ai envie de vous poser la question euh, brutalement, pourquoi il faut penser, il faut renouveler nos approches à la question du business model, donc du modèle économique. Tout à fait. Alors... C'est vrai que la, la question du business model euh, est une question où on va essayer d'analyser la logique de création, distribution et captation de la valeur. Et donc aujourd'hui, on est dans un environnement qui est extrêmement complexe et cette notion de valeur, en fait, elle doit être repensée, elle doit être repensée beaucoup plus finement que ce qui existait précédemment. Mm -hmm. Et donc l'approche systémique va nous permettre d'intégrer cette complexité au sein de la notion de valeur dans le business model. Alors concrètement, elle consiste en quoi cette approche systémique Alors cette approche systémique, elle consiste à utiliser de manière fondamentale les éléments de la systémique, elle, qui avaient été utilisés de manière un petit peu euh, partielle par d'autres précédemment, et nous, on essaie de la, de la développer. Et donc effectivement, on va, on va poser par exemple la question de la valeur de façon euh, différente. La première chose, c'est que la valeur va correspondre aux finalités poursuivies par les dirigeants et les managers de l'entreprise. Et on voit bien par exemple que quand on va penser la valeur écologique, ça serait réducteur de se dire écologique, parce que si on va poursuivre, par exemple, l'amélioration de la biodiversité ou la réduction de l'empreinte carbone, ça ne va pas être du tout la même chose. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est de se dire que finalement, les externalités peuvent toujours être des choses positives si elles sont réintégrées dans un autre système. Je prends l'exemple des déchets nucléaires. Aujourd'hui, on ne sait pas les réutiliser à 100%, mais si un jour on arrivait à les réutiliser, eh bien on pourrait dire que ce sont des externalités potentiellement positives parce qu'elles pourraient être réutilisées par d'autres. C'est ce qu'on voit par exemple dans l'économie circulaire où les déchets sont réintégrés dans une, dans une chaîne systémique. Et donc voilà, donc notre approche, elle permet effectivement ceci. Elle permet aussi de se focaliser sur la notion de fonction dans le business model au lieu d'aller chercher les éléments. Donc, au lieu de se concentrer sur ce qu'on a et ce qu'on n'a pas dans une entreprise, on va regarder à quoi servent les éléments de l'entreprise et dans quelle mesure ces, les fonctions de ces éléments, eh bien, sont en support des finalités poursuivies. Ça, c'est la, la deuxième chose. La troisième chose, je dirais, qui est importante pour nous, c'est la définition de la limite du business model. Finalement, un business model, ça s'étend jusqu'à où Et donc, nous avons proposé d'intégrer les éléments qui font partie de notre écosystème et qui sont intégrés dans la création de valeur comme étant partie intégrante du business model. Alors évidemment, la question qu'on se pose, c'est est-ce que ça permet de penser de manière plus innovante, qu'on soit dirigeant, euh, entrepreneur, etc. Est-ce que, est que de ce point de vue-là, c'est génératif, comme on dit Est-ce que ça génère des idées nouvelles Exactement, ça génère des idées nouvelles parce que nous partons des finalités poursuivies par les dirigeants. Et en questionnant leurs finalités, les dirigeants peuvent aussi comprendre quelles externalités ils veulent éviter. Et donc ça pour nous c'est très très important. Et puis la deuxième chose que ça permet, ça permet de mieux comprendre comment on va pouvoir intégrer les relations avec diverses parties prenantes externes. Je pense bien sûr aux fournisseurs et aux clients mais aussi aux concitoyens ou alors à la nature dans le business model. Et ça permet de penser des choses totalement différentes, beaucoup plus intégrées dans son écosystème que les modèles qui préexistaient jusqu'ici. Très intéressant. Évidemment, euh, voilà, hein, gérer, c'est penser à un business model hein, d'une façon ou d'une autre. Euh, donc une logique de création et une logique aussi d'appropriation de la valeur. Et savoir comment elle se répartit. Donc, euh, extrêmement important. C'est dans Scandinavian Journal of Management. Merci Yanel Garot. Je vous en prie.